Allez, on est parti à Nauze voir un petit peu si on a des pépites. Alors ici, on a une nouvelle marque à 1,50€. C'est la marque Joyce Pulp Injection. Alors attention, c'est fait pour repulper les lèvres. Donc vous avez différentes couleurs. Si vous n'aimez pas le menthol ou si vous êtes allergique au menthol, ben évitez. Voilà. Enfin, je voulais vous les montrer. Et puis, on a des petits kits comme ça. Alors, qui sont à 3,99€. Alors, je vais ouvrir un kit qui m'a l'air entier. À 3,99€ aussi, c'est les pulp injections. Hein. Donc, vous en avez trois à l'intérieur. Et c'est pareil, hein, c'est mentholé. Donc, c'est fait pour gonfler les lèvres. Voilà. Je sais qu'une d'entre vous avait été surprise, mais voilà, c'est fait pour ça. Ce sont des illuminateurs. Là, j'ai le son d'eux. Il y a plein de couleurs. Vraiment, c'est dommage, mon mari est venu me chercher. Vraiment, je voulais quand même vous les montrer. Vous avez également des fossiles à 99 centimes. Toujours l'or rouge à lèvres à 99 centimes. Et apparemment, on a aussi les golds de Messoda qui ont l'air très sympas à 1,20€. Donc là, c'est des rouges à lèvres crémeux, je pense. Voilà, et là on a des fossiles. Les highlighters me plaisent bien. Dommage, je ne peux pas vous les ouvrir parce que j'estime que... Attendez, je vais peut-être en trouver un. J'estime qu'ouvrir les articles dans Nauze, c'est pas génial, même pour montrer. Hein. Je ne le retrouve pas. Hein. Ah, attendez. Ah si, il est là quand même. Vous avez également la base de chez Messoda. Voilà, un big rayon. Voilà, par exemple, je vous montre le numéro 101. Là, vous avez le numéro 102. Le numéro 100, vous avez les rouges à lèvres, hein, comme ceci. Là, c'est un rouge. Et vous avez pour les yeux aussi. Alors, je crois que c'est celui-là. Voilà, et ce sont des liquides un peu holographiques. Les rouges à lèvres, hein, c'est des shine. On a des rouges à lèvres de la marque Astra, donc je crois qu'ils valent assez cher, ils sont à 99 centimes. Il y a pas mal de petites couleurs, donc je voulais vous les montrer. Ah, je vais craquer. Je sais plus, il y en a une d'entre vous qui les a montrées en faisant un haul, et donc ça m'a donné envie. Donc je voulais vous montrer les couleurs. Alors vous avez également des vernis à 75 centimes. Ils sont rigolos, enfin ils sont... Là c'est des gels apparemment à 75 centimes. Voilà, donc la marque Astra. Avec des rouges à lèvres et des vernis à ongles. Dans les vernis Astra, il y a vraiment des très jolies couleurs. Hein. Ici, vous avez de la marque Le Petit Marseillais, des mini gels douche concentrés. Donc il n'en faut pas beaucoup hein, pour mettre dedans, enfin pour vous laver, on va dire, pour mettre dedans. Donc ils sont bio, ils sont à 75 centimes. Vous avez également celui-ci qui est à la verveine et au citron. Grenade, je vous l'ai montré. Et là, c'est à la fleur d'oranger. Ça doit être une petite tuerie, ça. Et ici, grenade. Voilà, je crois que ce sont les seuls parfums que j'ai. Alors, c'est des petits contenants. Hein. Les filles, c'est du 100 ml. Hein. Beaucoup leurs gants là, moi je les achète à chaque fois à 1,99€, ils sont très bien. On retrouve des pinceaux à 1,75€, donc vous avez, ils sont tout doux ceux-là, moi je les ai achetés, ils sont très bien. Donc pour le visage, pour les yeux, vous avez également ceci. Alors pour moi c'est des nouveaux de la marque Ivy à 1,76€, donc pour le teint, mettre le blush, voilà, la poudre. Au niveau du make-up, vous avez à 1,50€ des diluants comme ça pour enlever miraculeusement votre vernis à ongles. Vraiment le retour de la marque Messoda, hein, parce que là vous avez apparemment des poudres pour le teint. Donc là j'ai la caramel par exemple. Donc elles sont dans des packaging comme ceci, hein, à 1,99€. Donc ça c'est le Laetitia Well de tout à l'heure. Voilà, donc là c'est du fond de teint. Là c'est du fond de teint liquide, 1,99€. Là il n'y a pas de prix du coup parce que c'est sorti de l'emballage. Attendez,
Voilà, je trouve l'emballage, c'est 1,79€. Dans les fonds de teint à 1,99€, j'ai beaucoup les mêmes couleurs. Hein, donc comme caramel, c'est le numéro 105. Vous avez le désert, c'est le numéro 104. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. La plupart, c'est ça. C'est bien le retour de la marque Mesoda parce que vous avez leur Kiss Velvet crayon qui reviennent à 99 centimes avec tout plein de couleurs. Donc c'est le retour. Donc on va passer, on va aller voir si on trouve autre chose. C'est bien le retour de la marque Mesoda parce que vous avez leur Kiss Velvet crayon qui reviennent à 99 centimes avec tout plein de couleurs. Donc c'est le retour. Donc on va passer, on va aller voir si on trouve autre chose. Ici de la marque Laetitia Well à 1,50€, vous avez des poudres compactes pour le visage. Donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Voilà. C'est joli, regardez, vous voyez le packaging. Il y a plusieurs coloris. Hein. Alors ici, vous avez des fards à paupières, vous vous rappelez de la marque... Oh, je ne sais plus. Ça y est, la fille, elle a perdu le nom. Alors, je ne voudrais pas me tromper. Ah non, c'est la marque Mesoda, en fait, qui revient avec des petits fards à 60 centimes. Donc, c'est pas la marque que je pensais. Celle qu'on a eue il n'y a pas longtemps, si vous voulez. Donc là, c'est la marque Mesoda qui revient. Voilà, avec donc des petits fards à paupières. Je vois que ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de clair. Ici, de la marque Lovea. Donc, vous avez un beurre corporel donc au karité. Donc, qui est à 2,99€. Et ça, c'est les prix. C'est des sels gommage pour le corps ou scrub. Et ils sont à 2,99€. Ici à côté du marque Le Petit Marseillais à 1,99€, on a des crèmes pour les mains à l'huile d'argan. Le Petit Marseillais, le sérum visage ultra hydratant à base d'huile d'olive pour les peaux sèches et sensibles. Alors les filles sont à 3,99€. Soyons pour le visage à 1,18€. Donc on y dit sans parabènes, donc pour les peaux sensibles de la marque Skin Active. Ici des petites eaux de toilette aux jeunes. Qui sont à 4,99€. On retrouve des parfums, donc le jardin de Saint-Hubert. Ce sont des eaux de toilette, elles sont à 2,99€. Ici, vous avez à 2,99€. Alors, le Barigna Paris, eau de toilette. Donc, je pense que c'est pour les hommes. Et ici, à 2,99€, le Madame eau de toilette. Franchement, je testerais bien celui-là. Je ne sais pas si vous avez des avis à me donner. Je vous dis un retour. Ici, on a des robes pour les pieds, donc qui sont à 1,49€. Ils vendent en caisse aussi des oxymètres de peau à 3, donc à mettre au doigt. Hein. Avec le Covid, on en a eu besoin. Donc, ils sont à 6,99€. Mais ça, c'est toujours bien d'avoir ça chez soi. Hein. Alors ici, je pense que c'est pour les hommes. Donc on a de la marque Playboy sans sulfate des déodorants à 2,29€. Ici, vous avez des huiles jojoba, ricin, hein, celles qu'on voit régulièrement. Donc elles sont toujours à 2,99€. Alors ici, on a des petites brosses à dents, toutes mimi, électriques, je pense, à 99 centimes pour les enfants. C'est mignon comme tout, hein. Vous avez plein de couleurs. Et je vois une mini là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je me suis fait avoir. Je sais pas si en fait elles sont électriques ou si en fait elles sont lourdes et en fait elles se tiennent sur le lavabo grâce au poids de la brosse à dents. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis pas sûre. Ici, on a des petites éponges pour se démaquiller au niveau des masques à 75 centimes. Encore des brosses rondes cette fois-ci et qui sont à 2,99€ pour vos brushings. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on est sur la marque Kylie's et on a des petits articles pour les ongles. Voilà, pour faire des décos sur les ongles. Comme si... Enfin, moi, je les ai souvent avant, puis maman, j'ai plus le temps. Donc, je vous les montre quand même s'il y a des fans. Je trouve qu'il y en a des assez jolis. Hein. Regardez celui-là, il est sympa. Hein. Ouais, j'avais le temps avant, hein, mais maintenant de moins en moins.
Ah, et puis ce genre d'article aussi, ça coûte super cher. Hein. Je vois, j'en commande beaucoup sur AliExpress. Des petits trucs comme ça, là, les petits carousels, ça coûte là. Voilà, on ne dira pas. Aussi, 1,49€ pour ceux qui peuvent en mettre. Moi, je ne sais pas en mettre. Comme ça, le problème est résolu. Je sais que je ne parle pas beaucoup, mais je donne l'essentiel des informations. C'est tout simplement parce que je ne peux pas réduire la taille des vidéos. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne si vous aimez Noz et ses pépites. Et je crois que l'année 2022 sera très très riche en pépites. Je vous dis tchuss et à bientôt. Prenez soin de vous.